10 دقائق بعد منتصف النهار باستديوهات إذاعة الأوراس، نحييكم مستمعينا الأفاضل من جديد ونقول للجميع أهلا بكم معنا. مرق الاهتمام إذن عبد الوهاب حمون نشر تمزورة نسال راديو لوراس سغمي سويس نديس في نصف نوسد وزقن ستمازيغت. وضمن هذه الفترة أقترح عليكم مجموعة من الأنغام الأوراسية، البداية ستكون بصوت ماسينيسا. لغير ما كرد أجفد ويا ما وتزر يا قزري غا ينا يا ما تزدك نغوى يا ما هي تبوازغنا une radio de proximité. Elle est à l'écoute de tout le monde, des doléances, de surtout de ces jeunes-là qui ne trouveront pas de difficulté pour réserver un bout de bande qui va passer néanmoins localement avant de passer ailleurs. Et de là, il y avait plusieurs éditeurs qui ont découvert à partir de la radio ces jeunes talents qui ont été pris en charge par la suite. Elle est utile, elle est même nécessaire pour ces jeunes diminués parce que la chose est devenue à caractère commercial. Un éditeur qui est approché par un chanteur ou une chanteuse cherche d'abord le bénéfice, le gain prime. C'est le facteur numéro un des relations entre le chanteur et l'éditeur. Et la radio ici, il ne paye pas, c'est une radio à caractère de service public, c'est une radio de l'État. Donc, on ne ménage aucun effort pour être à l'écoute de ces jeunes. Issa Jarmouni a été pris en charge par des gens de Constantine qui avaient de l'argent, qui pouvaient produire, comme on dit maintenant, un chanteur. Et on remarquait qu'il avait quand même un impact assez fort. D'abord, on l'a orienté à chanter en arabe, pour se faire comprendre. Déjà, ceci est un aspect assez intéressant de la chanson Chaoui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, devant le blocage, c'est-à-dire les gens d'avance pensent qu'une chanson chantée en Chaouia ne peut pas accéder. Alors que c'est faux, on connaît, il y a des dialectes de trois tribus au Bantoustan qui peut faire des succès aux États-Unis. Donc, ils pensent que quand ils chantent en chaoui, tu ne vas pas accéder, mais non, tu peux accéder partout. Et les gens chantent en arabe. À l'époque coloniale, c'était ça. Ils pensaient que chanter en chaoui, on ne va pas être compris. On a imposé à Issa Jarmouni de chanter en arabe. Et ça a ramené un peu d'argent à ces gens. Il y a un problème, la chanson chaoui, pas uniquement par ses faiseurs, si vous voulez. Le domaine a été envahi, comme tous les autres domaines. Je vous parlais de la santé, du transport, je vous parle de la chanson. N'importe qui peut être éditeur. Pour ce qui est de la prise en charge effective par des producteurs et des éditeurs puissants, ça n'existe pas. Ce ne sont que quelques pirates, quelques requins, comme on dit dans le jargon, qui profitent de quelques chanteurs et de quelques aubaines, comme on dit, en essayant justement de prendre ce créneau de folklorisation sauvage, etc., pour récupérer de l'argent. Il y a le côté artistique qui en a pris un coup de barre. Et puis les éditeurs qui détiennent cette édition ne s'intéressent pas et ne prennent aucun risque de s'intéresser à la chanson de texte. C'est ce qui se fait en ce moment dans les Aurès. Et c'est malheureusement ce qui marginalise un petit peu les chanteurs qui sont
des chanteurs de textes, de thèmes. Nous allons encore les redire, Salim, Souhali, Joe, Massinissa, Meroche. Sans vouloir faire le procès de personne, Cheb Aziz, feu Cheb Aziz, que Dieu lui, n'a jamais chanté en Chaoui. Et pourtant, on met sur sa cassette chanteur Chaoui. C'est fou. Mohamed Lourassi, Rabbi Yerhamou, n'est pas chanteur Chaoui. C'est-à-dire, je parle du berbérophone. Il chante en derja, en parlé. Vous trouverez sur sa cassette, il y a cet amalgame qui fait très mal à la chanson Chaoui d'expression berbérophone. Il y avait Dehia, elle est partie. Il y avait Markounda, elle est partie. Huria Aïchi, elle est partie. On en est... Maintenant, il n'y en a plus. Il y a Markounda, il y a Dehia, mais qui se sont cantonnés dans un ghetto, si je veux dire. On ne connaît même pas leur visage. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a des interprètes féminines. Il y a Huria Aïchi qui interprète des anciennes chansons. Dans un style, c'est-à-dire folklorique, accompagné d'un orchestre dépouillé de flûte et de bendir, avec une très belle voix, et chanter ce chaoui classique dans un tailleur Chanel est des plus sympathiques. Ils ont pris un autre chemin qui n'est plus celui de la chanson dont vous me parlez, mais celui de la production rapide. Production Polaroid, Cocotte Minute. Et la facilité n'a jamais fait quoi que ce soit. Deux, trois cassettes et c'est l'anonymat. Vous connaissez les mœurs et les as de la région qui empêchent certainement une femme de s'épanouir et de s'exprimer localement, différemment d'ailleurs, et qu'on a vu ailleurs s'exprimer, montrer leur talent. Et il nous arrive de rencontrer de jeunes filles, de jeunes chanteuses qui s'exprimeront ailleurs, qui montreront leur, qui ont d'ailleurs prouvé leur capacité vocale et musicale outre-Méditerranée. Je vais chanter une chanson à la mémoire de Cheb Aziz, que Dieu ait son âme. Cette chanson, c'est Yel Msalara, Lel Nourdif en Chaouia. سواوال ذي ذريفة سواوال ذي ذريفة يا للا ثمتان تثلا صرفي دوال ثلا مع ساسا ثلا مع ساسا يا للا والغريش المال وزرف ذا حرور زيك ذا قديمة
نجيك ذا قديمة يا للا وني تشور يا للا وعد في الأسوى والذي ذريفة سوى والذي ذريفة يا للا تمتنت ذلا Je pense que la chanson Chaoui est appréciée partout. Et j'espère qu'elle sera appréciée dans ses différentes composantes, pas seulement dans la composante populiste, folklorisante, je pourrais même dire avilissante. Ça va être plus tard l'éclatement, certainement. Il va y avoir de nouvelles énergies, de nouvelles créations. Les gens vont... se couper en quatre pour faire quelque chose d'intéressant et ça va certainement éclater comme le rail ou la chanson kabyle ou inaya zizi matakina zizi kinaya mktlam itmdourat nzik inayou fthourat mktlat zizaha wtsathuma hat mksouf lana wtfaout wina yitrash fi dourar mani dan lazikoun tirar wina yitrash fi dourar من إذا الذي يكون الترار وين يطراش في ذرار من إذا الذي يكون الترار Vous êtes photographe. Qu'est-ce qui vous attire dans les visages et les paysages de cette belle région des Aurès? Vous l'avez dit vous-même, la beauté peut-être aussi. C'est une autre façon de dire, en plus de modestement écrire, prendre des photos, c'est une autre façon de dire cette beauté, mais aussi cette difficulté au quotidien, cette rudesse, cette page d'histoire, cet Horacien, cet Aurès millénaire dont on parle malheureusement uniquement au passé. Mais qu'en est-il du présent et du futur? Les gens rencontrent quotidiennement des difficultés, ils ont un problème d'eau, la terre qui ne donne presque plus rien. On les a remerciés pour ce qu'ils ont fait au passé, mais les paroles ne suffisent plus. Je crois que je suis en train d'essayer de dire il faut passer à l'acte. Cette région a besoin d'actes et de décisions. Et quotidiennement, quand je peux, je le fais. Je réserve une toute petite partie, si vous voulez, à l'art dans ce que je fais. Parce que, sincèrement, ça ne fait pas vivre. C'est bien beau, mais il faut être plutôt un peu frappant, dire la réalité, même si elle est triste. En ce moment, tous ces beaux paysages, cette architecture millénaire, cette toponymie qu'on a effacée, qu'on a essayé d'effacer, ces tapis qu'on ne voit presque plus, ces pratiques, il faut faire quelque chose pour les sauver. Mademoiselle, j'ai un peu de temps que l'Algérie est là, ou là, d'ailleurs, il y en a là.